face à l'image du jour, des nouveaux rendez-vous de votre journal Afrique. Et aujourd'hui, nous avons choisi celle-ci. Elle a été publiée dans le Washington Post. Une image étonnante qui montre l'importance du continent africain avec sa superficie qui dépasse les 30 millions de mètres carrés. Le territoire africain équivaut au territoire de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, de l'Europe, de l'Ouest et de l'Est, du Japon. Thank you.
unique dans l'histoire de l'Égypte que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte. Il y a 75 ans, deux jeunes égyptologues français, Alexandre Varille et Clément Robichon, découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Hapou, et publient leur recherche en 1936. En 1936, et encore actuellement, le nom d'Amenophis, fils de Hapou, s'écrit en hiéroglyphe Amenhotep, mais il se prononce Amenophis. Il reconstitue ce temple, qui se trouve être un bâtiment d'une longueur de près de 100 mètres, et qui est constitué de plusieurs volumes, dont des salles, dans lesquelles on pense que la mémoire du grand scribe et savant Amenophis, fils de Hapou, avait été honorée par les prêtres et les clercs de cet ensemble. Ils eurent la chance de trouver dans ces ruines, à cet endroit-là, les restes d'une fresque qui était assez importante, qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension, et au bas de cette fresque, les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 cm sur 30 cm de dimension et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes. Ce texte honore le scribe royal, prince Amenophis, pour l'une de ses grandes inventions, et on peut lire « Nous sommes en l'an 30, le troisième mois de l'été, le deuxième jour, le scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté et il va être honoré comme étant un très grand personnage du royaume. » J'ai pensé faire la comparaison entre le texte de cette fresque et le texte de l'honorification du patriarche Joseph dans la Bible. Voici le résultat. Dans la Bible, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et il continue. Dans la Genèse, nous allons comparer le texte avec celui de la fresque. « Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. » Dans la fresque, nous lisons, « Il reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux. » Revenons sur le texte de la Bible. « Pharaon le fit habiller de lin de première qualité. » Du byssus. Revenons sur la fresque, son corps fut habillé d'étoffes délicates et de lin de première qualité. Dans la Bible, on lit « Et il suspendit le collier d'or à son cou ». Nous avons dans la fresque « Un collier en or pur et en toutes sortes de matières a été passé à son cou ». On continue dans la Bible « Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte ». Dans la fresque, nous sommes en l'an 30, le grand scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté. Les chiffres concordent. Dans la Bible, Joseph a 30 ans, alors que dans la fresque, on célèbre son 30e anniversaire de sa prise de fonction comme numéro 2 de l'Égypte. Cette comparaison entre la fresque du temple mémorial d'Amenophis, fils de Hapou, et le texte de la Genèse, est un élément extrêmement important. Il montre que c'est un texte de cette sorte qui a été copié par les rabbins. Il ne constitue pas, à lui seul, une preuve à 100%. Il faudrait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est justement ce qui se trouve dans cette fresque pour arriver à la preuve à 100%. On pourrait très bien imaginer que la rédaction de la Bible a été faite à partir d'un texte similaire, mais attribué à un autre personnage. Et pourtant, lorsque l'on regarde cette fresque, on va y trouver un détail unique, insolite, et qui avait été relevé par les deux jeunes égyptologues français lorsqu'ils l'avaient découverte, mais ils avaient ensuite laissé de côté cet indice. Sans suite. Voici ce détail. Lorsque l'on regarde de près cette fresque, on s'aperçoit que les hiéroglyphes se lisent de deux façons différentes. Sur la gauche de la fresque, ils se lisent en colonne de droite à gauche. Sur la droite de la fresque, ils se lignent
ils se lisent en ligne de gauche à droite. Ainsi, nous avons à droite la ligne scribe royal, Amenophis, lecture de gauche à droite. À gauche de la fresque, on devrait avoir scribe royal, Amenophis, lecture de droite à gauche. Or, en fait, ce que l'on voit, c'est que le nom d'Amenophis est écrit pour une lecture de gauche à droite, alors que tout le reste du texte est écrit de droite à gauche, c'est-à-dire que le nom d'Amenophis est écrit à l'envers. C'est ce détail qui avait été relevé par Alexandre Varil, le géologue découvreur de cette fresque, mais il n'avait pas tenu compte de ce détail, et c'est ce détail qui va nous apporter la preuve à 100% qui nous manque. En effet, si l'on retourne dans la Genèse, on découvre que Pharaon donne le nom égyptien de Joseph. On lit « Pharaon nomma Joseph Tsaphenat Paneach et lui donna pour femme Asenat, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. » Il donna donc le nom égyptien de Tsaphenat Paneach. C'est un nom qui ne veut rien dire en égyptien, qui ne veut rien dire en hébreu, qui n'a aucune étymologie. Et en fait, je me suis vertué à essayer de voir comment ce nom, écrit en hébreu, pouvait avoir un rapport avec le nom d'Amenophis, fils de Hapou. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Tsaphenat Paneach. Et en regardant ce nom en hébreu, je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite. De gauche à droite, nous avons Chenap Senofst. L'hébreu contenant essentiellement des consonnes, rajoutons quelques voyelles, et nous obtenons Chanapu Senofst, c'est-à-dire Chanapu Amphits, soit Amenophis, fils de Hapou. Lecture à l'envers. Nous avons donc une concordance entre le texte de la Bible, dans lequel le nom d'Amenophis, fils de Hapou, de Joseph, est Amenophis, fils de Hapou, lu à l'envers, et le nom d'Amenophis dans la fresque, qui est également à l'envers. Cela ne peut pas être une coïncidence, mais cela montre bien que c'est ce texte ou des textes similaires provenant de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Hapou, qui a servi de modèle pour la rédaction du texte de la Bible comptant les prouesses du patriarche Joseph. Ceci est très important. Nous avons un document qui est âgé de 3100 à 3400 ans. C'est le plus ancien document copié mot pour mot dans la Bible. Nous savons maintenant que le patriarche Joseph était en réalité Amenophis, fils d'Hapou. Nous avons donc un document, nous avons donc un personnage historique qui permet de démontrer que certains faits décrits dans la Bible sont basés sur des faits réels historiques. Nous avons donc un point d'ancrage historique à partir duquel nous pouvons reconstituer les différents épisodes de la saga des Hébreux lors de leur séjour en Égypte. C'est ainsi que nous serons capables de mettre en avant un portrait robot de ce qu'était Moïse. Et nous pourrons aussi déterminer la date de l'Exode. D'après notre recherche, l'Exode eut lieu autour de 1060 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans après la date qui avait été préconisée jusqu'à maintenant par les historiens bibliques, par les archéologues et les égyptologues.